De retour du Guatemala, Adrien partage sa belle aventure et nous fait découvrir son album photo. Je suis parti 3 semaines au Guatemala avec ma copine. Donc c'était un voyage un peu spécial cette année, puisque c'était la première fois qu'elle venait avec moi. Pourquoi le Guatemala? Déjà, je suis originaire de là-bas. Il y a 28 ans, j'ai fait un peu le trajet inverse de certains Basques, c'est-à-dire que au lieu de venir du Pays Basque vers l'Amérique, je suis parti de l'Amérique pour venir au Pays Basque. Voilà, donc j'ai été adopté. C'est tout naturellement que je me suis dirigé vers ce pays que j'ai toujours aimé découvrir. Également, pourquoi cette destination? Je fais partie d'une association humanitaire, l'association Le Quetzal, qui est basée à Aramis. Le Quetzal, c'est l'oiseau emblématique du Guatemala. L'association aide 150 enfants de 7 à 11 ans. On fonctionne avec un système de parrainage, c'est-à-dire qu'on a des parrains français qui aident les enfants sur place, financièrement. Notre périple a commencé à Guatemala City, on a atterri l'avion. C'est une ville qui est assez dangereuse, surtout la nuit. Donc on est directement parti sur la ville d'Antigua. Alors Antigua, qui veut dire l'ancienne, c'est l'ancienne capitale du Guatemala, qui a été fondée au XVIe siècle et détruite à plusieurs reprises par les séismes et les volcans qui l'entourent. C'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO également. La particularité de la ville, c'est qu'elle est surplombée par 3 volcans, dont un volcan qui est très actif, qui a fait parler de lui récemment, c'est le volcan Fuego. Également, c'est une ville qui a été reconstruite à chaque fois à l'identique. Elle a été détruite à plusieurs reprises. Donc on peut voir, c'est vrai, de jolis monuments coloniaux, des églises anciennes, également des bâtiments qui ont été détruits, mais toujours reconstruits. Donc c'est la particularité de la ville qui est assez sympa. On peut y croiser notamment beaucoup de touristes, puisque c'est un peu le centre névralgique du pays. C'est-à-dire que tous les voyageurs partent de là pour rejoindre d'autres pays ou d'autres destinations au Guatemala. Ensuite, du Pacifique, nous sommes partis vers le nord du pays, où nous avons rejoint un site magnifique qui se trouve pas loin de la forêt tropicale, qui s'appelle Semuc Champé. C'est une réserve naturelle qui est classée au patrimoine national guatémaltèque. Dans cette réserve naturelle, on peut retrouver des bassins d'eau bleu turquoise où on peut s'y baigner. C'est un site exceptionnel qui est en pleine nature. On est parti à 9h du matin, on était tout seul sur ce site, ça donne un peu un sentiment d'aventure. Également, on a pu voir des animaux, des singes, des oiseaux, des insectes qu'on ne connaît pas forcément en France. Donc ça a été une découverte pour moi et pour ma copine aussi, parce que je n'avais jamais été dans cet endroit. Ensuite, de ce site, nous sommes partis sur le site qui est un peu plus connu au niveau mondial, c'est le site de Tikal. C'est une ancienne cité maya qui a été fondée un siècle avant Jésus-Christ, qui a été ensuite à son apogée vers 850 après Jésus-Christ. La ville conserve des jolis vestiges de la civilisation maya, qui s'est étendue durant 1500 ans, contrairement aux civilisations Inca au Pérou et la civilisation aztèque au Mexique, qui ont duré seulement 200 ans après l'ère maya et juste avant l'arrivée des conquistadors. Donc on est monté sur certaines pyramides, notamment la pyramide du Mont Perdu et la pyramide du temple Jaguar. Également, on a vu plusieurs animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Voilà, c'était une découverte, une redécouverte pour moi, puisque j'avais été il y a à peu près 10 ans sur ce site. Mais rien n'a changé, c'était une découverte aussi pour ma copine, donc c'était positif. De cette destination, ensuite on est parti sur le Livingston. Ça se trouve au niveau des Caraïbes, sur le golfe du Mexique, au Guatemala. Alors là, on a l'impression d'arriver dans une île, puisqu'on peut accéder qu'en bateau. Il n'y a pas de route praticable jusqu'à cet endroit. Et on a l'impression de changer de pays, puisqu'on peut apparenter Livingston un peu à la Jamaïque. Donc c'est un peu la même population en fait. C'est une population qui est issue du métissage entre les esclaves noirs africains et la population caribéenne. Ils ont gardé leur coutume africaine mélangée à la coutume caribéenne avec les chants, les folklores, la gastronomie, les danses.
que c'est assez particulier. Et c'est un site également remarquable au niveau de la faune et de la flore. On a rejoint des cascades naturelles, notamment qui se trouvent à peu près à 2 heures à pied de cette ville, Livingston. Ensuite, on a rejoint les terres par le rio Doucet. Donc c'est, on va dire que c'est une embouchure depuis Livingston, mais qui va vers le Guatemala. C'est également une réserve naturelle. C'était magnifique. Et ensuite, on a rejoint la capitale pour repartir. Donc ça a été une belle aventure. Ce qu'on peut retenir du voyage, c'est les paysages. Et la diversité. C'est un petit pays, mais qui renferme énormément d'histoire de par sa civilisation, la civilisation maya, mais aussi, on va dire, la diversité du paysage. On passe des Pacifiques à l'Altiplano à 4000 mètres d'altitude pour descendre vers la mer des Caraïbes. Donc c'est magnifique. Voilà, je ne m'en lasserai pas de repartir, et surtout d'avoir partagé ça avec ma copine, ça a été une chance super. Également de participer à un projet humanitaire sans non plus rentrer dans le cadre de l'association à 100%. Ça a été une initiative de notre part et non pas de l'association. Et ça montre que chacun peut amener à son échelle et apporter une petite contribution à l'association. Quoi. Donc ça a été positif. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt. Mieshker.